Salut tout le monde, c'est Jérôme FPS pour une nouvelle vidéo. Donc là, on est sur World War Z. Donc là, on continue le mode coopération en hors ligne. Donc comme j'expliquais les vidéos d'avant, au tout début, je faisais une vidéo en ligne et une vidéo hors ligne. Le problème, c'est que la vidéo en ligne, à chaque fois, on se retrouve dans des serveurs où ils sont déjà commencés. Et c'est un peu compliqué pour faire la vidéo. Donc là, je fais que des vidéos en hors ligne. Parce que de toute façon, de hors ligne à en ligne, il n'y a pas de changement en vérité, à part que c'est des joueurs et là c'est des mobs. Mais avec les mobs, j'ai quand même plus le temps d'expliquer et de faire montrer. C'est moins rapide, on va dire. Donc là, on va commencer à nouveau, c'est Moscou. Parce que je viens de finir Jérusalem. Donc là, on va sur Moscou. Donc on va faire un signe du ciel. Donc là, on va avoir des nouveaux personnages. Donc voilà, on va regarder au niveau des personnages. On a lui. Donc c'est le premier. Après, on a là. On a ici. Ah non, bah c'était ici alors. Voilà. Donc on a elle, pardon, je me suis trompé. Après on a lui. On a lui. Et on a lui. Donc je sais pas, j'ai un doute, je sais pas qui prendre. Bon, on va faire, vous savez quoi? Je vais faire aléatoire. Tac. Voilà. Là j'ai choisi le personnage en aléatoire. Parce que normalement, vous voyez, vous pouvez choisir. Je vais refaire pour vous faire montrer. Tac. Bah, l'aléatoire, en vérité, ça change pas grand-chose. Ça me laisse le personnage que j'ai. Là, si je le fais changer, oui. Mais si je mets aléatoire, ça me laisse mon personnage. C'est un peu bizarroïde. Bon, on va essayer celui-là. Allez, on est parti. Au pire, tant qu'à faire, je vais faire la mission là avec ce personnage-là. Et comme il y a trois missions, bah j'en prendrai un deuxième et un troisième pour changer le personnage. C'est vrai qu'il y a des vidéos où j'ai presque pris tout le temps le même personnage. Bah, de toute façon, que vous changez de personnage ne change pas grand-chose. Parce qu'en vérité, sur le côté, vous avez tout ce qui est infanterie et tout. Donc les armes, vous pouvez choisir n'importe quel personnage. L'arme sera toujours en fonction de la classe que vous avez choisie. C'est la classe qui détermine votre arme. C'est pas le personnage. Le personnage, lui, c'est juste. Voilà. Ils ont juste mis des personnages, c'est tout. Y a pas de spécialité, pardon, de spécialité. Donc, je vais laisser la cinématique quand même. Donc, si vous voyez des bords noirs, c'est normal, c'est la cinématique qui fait ça, c'est pas la console, enfin, c'est pas le logiciel que j'utilise. Ok, vous voyez, j'ai toujours un AK-47. Franchement, c'est l'arme que je préfère dans ce jeu. Listen. What the... Is that a helicopter? Et il parle en russe, puisque comme c'est Moscou, il parle en russe. Oh, l'hélicoptère là-bas, il perd le contrôle. On a vu, on va avoir un truc comme ça, du style, on va devoir. Ça s'appelle être pendu, hein. We have to help them. The road is blocked. Museum is the quickest way through. C'est quoi ça? Il faut trouver le moyen de rentrer dans le musée. Bah déjà, on se tape beaucoup de zombies. Juste pour commencer. On va aller voir. Bah voilà, ici on peut passer par ici. On va essayer de rentrer par là. On va. Ah, oh bah voilà, on doit contourner. Donc les potes ils sont derrière moi. Il faut que je rentre à l'intérieur. À quand même faire attention parce qu'à mon avis. J'ai toujours le droit aux zombies qui se cachent sur le côté moi. Comme je vais toujours un peu trop vite. À mon avis, il faudra que je fasse gaffe aussi sur le jeu comme Dagon. Il fait que le jeu, entre parenthèses, s'il y a des zombies cachés ou des choses comme ça, c'est moi qui vais avoir mon. Oh là. Il y a un hurleur, il faut aller le tuer. Ouais. Voilà, voilà. C'est bon. Je sais pas si j'ai eu le temps de les appeler, mais à mon avis, j'ai l'impression que oui. Ok, je demande.
Waouh, il faut charger là. Tire-tête, tire-tête. On va essayer d'avancer, parce qu'à mon avis, il faut avancer. Oh, voilà. Je vous le dis, à chaque fois, j'y ai le droit. À chaque fois. Ça, c'est pas trop grave s'ils sont enfermés à l'extérieur. Par contre, quand vous êtes en ligne, vous avez un décompte, entre parenthèses, qui fait que faut attendre que les mobs arrivent. À mon avis, ça va être un jeu où il va y avoir beaucoup, beaucoup, enfin, ça va s'appeler beaucoup de zombies. Donc là, on doit remonter. À mon avis, ils veulent qu'on monte en haut pour pouvoir porter secours à l'hélicoptère. À la tête chimique, on va le tuer tout de suite. On va passer par le côté, par contre, pardon. J'essaie de regarder s'il n'y avait pas quelqu'un qui allait sauter par la fenêtre, mais non. Je mets des petits balles tête. Bon, bon, ça tire. Ok, l'ouverture de la porte se fait là. Je crois que j'ai vu un toxique. C'est bizarre. Ah ouais, j'allais dire, le toxique, je l'ai tué loin. Et je me fais intoxiquer. Mais non, en vérité, on avait un juste là derrière. J'ai vu. Paniqué. Allez. On va faire le tour. Oh non. Vas-y, vas-y. C'est un toxique là. Faites à la fenêtre là. On va prendre un peu de vie quand même. Je vais essayer de retrouver sur la route. Grenade, est-ce que j'en ai besoin? Je suis plein. Donc c'est bon. Ça sent les zombies qui vont arriver à fond. C'est quoi ça? Ah bah ça je vais la prendre en attaque spéciale. Okay. Là c'est quoi? La vie? Bien vu. Allez, ça fait un peu bourrin, mais il y a trop là. On a vu, on va essayer d'aller rapidement. Allez. Ouvre la porte. The code worked, but it says zone fault. It's locked down for 2 minutes. Voilà. Je vais quand même mettre un peu de vie. Hop. Parce qu'à chaque fois que je vois une trou, je récupère. Hop. Voilà. Boum. Boum. Mmh.
défendre ma position. Il faut que j'aide lui. J'ai cru qu'il était mort. Ah, derrière, il y en a derrière. Ah, c'est de tuer. Il faut que je récupère de la vie, allez hop. Quand même donner de la vie à lui. Non. Non. Ok, j'ai récupéré des mines. Mon avis, ça va revenir. Non, ah non. Ça va, c'est pas revenu. Ah, j'ai tout juste le temps de le voir. Vraiment tout juste. Je m'en doutais, à chaque fois il y en a un qui est planqué quelque part. Hein. I found another sensor. On va reprendre les grenades. Oui, c'est un peu bizarre, je suis rentré de là. Attends, faut que j'active là. Beaucoup de portes activées, non. Trouve le panneau de sécurité. But it triggered another lockout. Et ouais, c'est reparti. Défendre la position. Tu vas arriver de où? Waouh. Pas leur laisser le temps de monter. On se va regarder ici. Boum! Attends, pourquoi elle demande d'atteindre ici? Ah oui! C'est mon pote. Je vais prendre la tronçonneuse. Si on a un petit peu trop, on va. Un petit coup de tronçonneuse. Position défendue. Toujours prendre des grenades parce que quand il y en a beaucoup, ça marche super bien. Interagir. Ok, je dois interagir là. Alarme désactivée. Moi. Pour une fois, c'est pas moi. End of the line, creep. All guns on the ball! Voilà. Quand même récupérer des munitions. Avant, on sait jamais, des fois qu'il n'y en a pas après. J'ai l'impression qu'il me fait faire un détour. Faut sortir. Okay. The...
Shit, I knew it. I don't think we're alone. Ça va tout doucement. Lord, protect us. Ah, un hurleur. Screamer! Ouais, il faut tuer l'hurleur. End of the fence, then left. Voilà. Hey, watch your shots! J'ai bien fait de recharger. Bien fait de recharger. Donc là, il faut passer ici et marquer atteindre. On va passer au-dessous. Non. Ok, c'était ici. It's a ball! Oh là là. Thank you. Oh, derrière vous. Ça arrive à moi aussi. Ouais, à mon avis, ouais, il va falloir les protéger. Help! Help me! On va t'aider. The ice is breaking. Let's grab her and get out of here. C'est quoi que j'ai gagné? Déployer ça. Come with us. Hurry. Please. You have to help him. He's dead. Now let's go. What's in these crates? It's rations. Enough to last us weeks. Fuck. Faut regarder maintenant après les trucs. Les caisses jaunes, est-ce qu'il y en a ou il y en a pas? What's your name, lady? Svetlana. I want you to hide in the chopper. Guys, set up defenses, fast. Why the hell were you flying into Moscow? A rescue. We lost a team near Red Square. Des armes. They're gone. Faut que ça. No. They sent a distress call an hour ago. Okay. Barbelé. On va pouvoir en mettre ici, on va dire. Faut se préparer pendant une minute. 1 minute 18 exactement. Mitraillette. Machine gun is ready. Là. Mortier. Ici. Merde. Ah, oh, j'ai fait une app. Mot ici. A commencé. Ah non. Reloading. Alors donner du soin. Hold still for a second. Thank you. Watch your fire! Par contre, regarde où ils vont les frapper. Ça frappe où ça? Ok, ça frappe là. Ça frappe où ça? Ok. Là, ça frappe où? Ok, on va regarder là. Là, on doit défendre l'hélicoptère. Look there on the bridge. There must be hundreds. Ok, il n'arrive pas du bon sens. On va regarder par où il passe. C'est chaud. They're getting closer. Hold them back. C'est d'en tuer le maximum là-bas. Today is a good day. Rest in peace.
boom. Hello, this is Bumashkov. We're hearing gunfire from the river. Bumashkov, we're by the Kremlin. Swarms everywhere. We're coming to you. I'm sure you are. The bull is down. Someone pick up that screamer! The screamer is dead. Creep spotted. I'm reloading. I got the grip. Watch out, fire! Not dark. Pourquoi ils ont appuyé sur le côté comme ça? Je vais chercher des balles. Ça va arriver de où? Telle est la question. Zig inbound! Over the shipping containers! Oh là, gros. We got the bull. Bumashkov here. State level by the museum. We see you. Keep them off the chopper. We got them all. Ok, on a réussi à défendre l'hélicoptère. Il l'avait, hein. Ça arrivait dans tous les sens. C'est chaud quand même. Svetlana, it's over. Are you okay? Yes. I'm here. I'm alive. On a réussi à la sauver. Sveta, you'll come with us. I need to find our team. Red Square is no man's land. We'd never make it. There is a chance. I cannot leave them to die. Father, you're a good man, but you're an idiot. C'est vraiment dommage que ce n'est pas en français quand même. But you're lost. Donc là, on va voir les statistiques. Bon, après, c'est des statistiques un peu façon de dire bidon, parce que comme je joue tout seul, c'est les mobs font des tirs, mais les trois quarts du temps, c'est moi qui arrive à faire le plus de tirs. En plus, quand on utilise des grenades, ça fait beaucoup plus de dégâts, on va dire. Alors quand même, regardez. Ah bah même pas, vous voyez. La preuve, c'est que j'en ai fait 434. Et l'autre, il a fait 725 tirs. Ok. Il m'a déclassé direct. Ok. Passer niveau 18. C'est l'arme, hop. Faudra que j'essaie de jouer avec une autre arme. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, laisser des commentaires, partager. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et là, je vais faire la prochaine vidéo. Donc voilà, je le fais plus en ligne, je préviens. Je le ferai que en hors ligne, juste pour pouvoir vous montrer comment ça se passe sur chaque vidéo. Donc voilà, je vous dis ciao.